announce that and to tell the people they might read it on the bulletin board going out. Maintenant, ce matin, nous avons une leçon importante et ce soir, nous essaierons de continuer là-dessus. Et si le Seigneur le veut, dimanche prochain, je ne savais pas que c'était si profond avant de me mettre à étudier. Et ça reste encore un mystère pour moi. Alors, je m'en remets uniquement au Seigneur. Maintenant, vous qui avez vos Bibles, prenons le psaume 99. Je vais lire le premier verset, la congrégation lira le deuxième verset, et tous ensemble, nous lirons le dernier verset. Et nous alternerons comme ça, moi le premier, l'assemblée le deuxième, moi le troisième, l'assemblée le quatrième, jusqu'au dernier verset, et nous lirons tous ensemble. Alors, levons-nous pour lire la parole de Dieu. L'Éternel règne. Les peuples tremblent. Il est assis entre les chérubins. La terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'ils célèbrent ton nom grand et redoutable, car il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermé la droiture, tu exerces en Jacob la justesse et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied, car il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils observèrent ses témoignages et les ordonnances qu'il leur donna. Éternel notre Dieu, tu les exaucas, tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur la montagne sainte, car l'Éternel, notre Dieu, est saint. Courbons la tête. Assurément, Seigneur, ces paroles sont écrites et composées par ton serviteur David sous forme de psaume en ton honneur. Tu habites entre les chérubins. Tu es saint et ta montagne est sainte. Approchons-nous, les cœurs aspergés du sang du Seigneur Jésus, avec une conscience pure et avec la foi et l'assurance que nous entrons dans la présence de notre Dieu. Que tout cet auditoire soit respectueux ce matin. Ouvre les oreilles de notre entendement. Parle à travers nous, par ta sagesse, afin que nous sachions comment nous comporter dans ces jours, dans ta présence. Nous te demandons, Dieu, de nous révéler ces choses secrètes qui ont été cachées toutes ces années. Alors que nous abordons tes paroles les plus sincères, les plus solennelles, tu en as parlé quand tu étais ici sur la terre et tu as dit que celui qui lit comprenne. Alors, nous venons à toi avec la meilleure disposition, Seigneur, afin de chercher ta sagesse. Car nous ne savons pas exactement quoi dire. Nous avons préparé quelques passages d'Écriture et nous dépendons solennellement de toi pour la réponse. Et ce n'est pour aucun autre but, mais c'est de connaître l'heure dans laquelle nous vivons, afin que nous soyons préparés pour les choses formidables qui sont devant nous. Veux-tu nous l'accorder, Seigneur, au nom de celui qui nous a enseigné à tous que nous devrions prier comme ceci? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'est le royaume et la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, s'il y a des hommes qui veulent enlever leur manteau, ne vous gênez pas. Et ceux qui sont debout, le long des murs, si vous commencez à avoir mal aux pieds, eh bien, sentez-vous à l'aise de vous déplacer. Maintenant, si les enfants veulent aller dans leur classe, sont-ils déjà sortis? Non, ils ne peuvent pas, nous ne pouvons pas voir. Le pasteur dit que, vu qu'il y a beaucoup de monde, on a rempli les classes. Si bien qu'on ne peut pas avoir l'école des dimanches pour les petits. Et nous serions contents, là, vous les petits, si vous voulez coopérer avec nous. Parce que ce matin, nous abordons un message vraiment important qui, je suis sûr, va signifier beaucoup pour votre père, votre mère et vos bien-aimés qui sont ici, et même pour vous, les petits. Ainsi, nous approchons de cela avec un grand respect. Si le Seigneur le veut, ce matin, nous allons prendre le sujet des 70 semaines de Daniel. Et ce matin, nous allons parler de Daniel en captivité et de Gabriel qui vole vers lui pour l'instruire au sujet du futur. Pendant que Daniel était en prière, Gabriel, l'ange, est venu lui donner des instructions. Ce soir, je voudrais parler des 6 buts de sa visite. 6 sujets différents dont je parlerai ce soir, ce qui a amené la visite de Gabriel. Ça, c'est dimanche prochain, Dieu voulant. Je voudrais placer la raison et le temps de cet âge de l'Église et où il se situe et où nous en sommes aujourd'hui. Ça, ce sera dimanche prochain, le matin, Dieu voulant. Maintenant, la raison pour ceci, j'ai apporté quelques petites notes de mes derniers messages. Et ce matin, je voudrais faire un lien avec ce que nous avons vu parce que tout ça est enregistré sur bande magnétique qui iront dans le monde entier, dans beaucoup de nations. Et toujours, la raison pour laquelle je fais un petit retour en arrière, c'est que il se pourrait qu'il y ait des gens qui n'ont pas écouté mes bandes, qui c'est, pour eux c'est la première fois, ils ne pourraient pas comprendre ce que je veux dire quand je fais référence à quelque chose d'autre. Cela fait des mois maintenant que nous étudions le livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Nous avons vu les âges de l'Église. Les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, c'était les âges de l'Église. Ensuite, Jean a été ravi dans les chapitres 4 et 5, et il lui a été montré des choses qui doivent arriver par la suite. Au chapitre 6, il redescend sur la terre à nouveau pour voir arriver des choses qui se produiront du chapitre 6, verset 1, jusqu'au chapitre 19, verset 21. C'est là qu'il y a les sceaux, les fléaux, les malheurs, les locustes, la femme dans le soleil et le dragon rouge qui est précipité, les 144 000 qui sont scellés et toutes ces choses. Ça a été une semaine d'études formidables. Je ne suis presque pas sorti de mon bureau en essayant d'étudier. Et la dernière fois, les anciens se
Je me souviens, je disais, là, il y a les 70 semaines de Daniel, mais je n'essayais pas de l'aborder, de l'expliquer. Mais cette fois-ci, par la grâce de Dieu, je me suis mis en devoir d'essayer de demander à Dieu de m'accorder la grâce de pouvoir l'apporter aux gens. Et ici, je découvre des choses dont je ne sais absolument rien. J'ai lu le livre du Dr. Larkins, le livre du Dr. Smith, les notes du Dr. Scofield, les commentaires émis par différents hommes partout, et cependant, je n'arrive quand même pas à faire concorder la chose. Ainsi, cette semaine, j'étais à la bibliothèque au Kentucky pour me documenter sur l'astronomie ancienne, les calendriers, la chronologie, et j'ai ramassé autant de livres anciens que j'ai pu dans les bibliothèques et tout, et je fais mon humble part en faisant solennellement confiance à Jésus-Christ qu'il me le révèle. En effet, si je veux savoir, ce n'est pas pour dire « moi je sais ceci, moi je sais cela ». Il connaît mon cœur, il m'écoute en ce moment. Et je veux savoir que c'est dans le but d'éclairer son peuple. C'est pourquoi je crois qu'il va me le donner. Je ne sais pas encore, mais je lui fais confiance pour dimanche prochain, parce que ce sera là la partie capitale dimanche prochain de connaître et de placer ces 70 semaines. Et chacune ont leur place. Et en les mettant bout à bout, en faisant ça, ça ne devient rien de juste. Le résultat est faux, c'est inévitable. Ainsi donc, peut-être que moi, je n'arriverai pas à les placer comme il faut, mais je vais mettre ma confiance dans le Seigneur pour cela. Je me souviens qu'une fois Salomon a prié et qu'il a demandé au Seigneur Dieu de lui donner de la sagesse, pas pour lui-même, pour que ses jours soient prolongés ou qu'il ait une vie plus longue ou des richesses, mais afin qu'il ait la sagesse de savoir comment juger le peuple de Dieu. Et Dieu a honoré cette prière et il a donné cette sagesse à Salomon parce que c'était pour son peuple. Et voilà pourquoi je demande à Dieu de me faire savoir ce qu'est cette 70e semaine, parce que je sais que c'est le calendrier exact pour l'âge dans lequel nous vivons. Et par conséquent, je veux savoir ce qu'il en est. Pas pour moi-même. Pas pour moi-même. Évidemment, je veux savoir. Ce n'est pas dans ce sens-là que je dis pas pour moi-même. Parce que je veux le savoir pour moi-même. Je veux savoir. Parce que je veux savoir où nous en sommes et dans quel temps nous vivons. Et puis, je sais que c'est quelque chose qui a été donné. Plusieurs ont fait leurs calculs, ils ont fait aboutir cela bien avant dans le passé. Je lisais que quelqu'un avait dit que tout ça s'était terminé en 1919, les 70 semaines. Eh bien, ce n'était pas ainsi. Après 70 semaines, tout est terminé. Ainsi, nous voulons connaître la vérité. Et je demande à Dieu de me donner la vérité. Maintenant, pour servir d'appui, pour récapituler, je voudrais reprendre un petit peu ce que nous avons vu. Alors, j'ai donc noté quelques points que nous avons vus au chapitre 4 et 5, pour que les gens comprennent. D'abord, avant de faire cela, je voudrais faire le lien pour que vous saisissiez depuis le quatrième. Maintenant, souvenez-vous, le chapitre 3, c'était l'âge de l'église de Laodicée, et l'église a été enlevée à la fin de Laodicée. J'essayais d'expliquer quelque chose à ma femme là-dessus. J'avais Becky, ma fille, avec tous les dictionnaires qu'on avait pu trouver. Ils ne donnent pas la réponse. J'ai pris le dictionnaire biblique, j'ai pris le dictionnaire grec ancien, j'ai le Webster et beaucoup d'autres, les dictionnaires modernes. Pas un seul d'entre eux ne pouvait me donner la réponse d'une manière ou l'autre. Ma femme disait, comment veux-tu que les gens de chez nous, qui sont des gens pauvres, et beaucoup d'entre eux sont comme nous sans instruction, comment veux-tu qu'ils comprennent quelque chose comme ça? Et j'ai dit, Dieu donnera la réponse. Peu importe combien c'est compliqué, Dieu peut démêler ça et le rendre simple.
car nous sommes une portion de ces gens qui languissent et qui prient pour que vienne ce jour et cette heure. Nos yeux sont fixés vers le ciel et nous attendons sa venue. Et je suis sûr qu'il va nous le montrer. Maintenant, ça ne va pas nous dire le jour ou l'heure, parce que ça, aucun homme ne le saura, mais ça va assurément nous dire dans quel jour de la semaine nous vivons, si seulement nous pouvons le saisir. Maintenant, chapitre 4, Jean a été ravi tout de suite après l'Église. Jean, quand il est monté, il a vu l'âge de l'Église tout entier. J'aimerais m'arrêter ici un instant pour dire ceci. Bien des gens qui attendent quelque chose de vraiment prodigieux, puissant dans l'âge des nations, ils se trompent certainement. Les âges de l'Église et tout ce qui va se passer pendant l'ère des nations, ça se trouve dans Apocalypse 1 à Apocalypse 3 inclus. Ensuite, l'Église est montée dans l'enlèvement et le reste jusqu'au chapitre 19, c'est ce qui arrive à la race juive après que l'Église soit montée. Et c'est le temps de la grande tribulation. Il n'arrive plus rien du côté des nations. C'est seulement de la boucherie et tout ça, comme nous le verrons quand nous y arriverons. Mais l'Église elle-même est partie au dernier verset du troisième chapitre de l'Apocalypse, au moment où l'âge de Laodicée se termine. Et nous avons pris chaque âge de l'Église, chaque époque, chaque chose qui est arrivée, chaque étoile, chaque messager, leur nature, ce qu'ils ont fait. Nous avons suivi cela à travers l'histoire jusqu'au tout dernier. Il s'est dessiné sur le côté du mur. Et quand on a terminé, le Saint-Esprit est venu tracer la même chose en cercle sur le mur. Il nous l'a révélé lui-même ici à tous. Maintenant, en faisant ceci, j'ai confiance qu'à la fin, il va venir avec quelque chose de formidable, nous montrer encore que nous sommes au temps de la fin. Combien ont entendu le discours de Kennedy, du président Kennedy, les commentaires, etc.? Combien ont entendu ce pronostic selon lequel on prédit que d'ici le 1er janvier, les États-Unis et la Russie ne seront plus que des cendres volcaniques? Voilà tout ce qu'il nous faut. Il est plus tard que nous ne pensons. Alors si nous sommes si près que même les hommes de cette terre prédisent que cette chose terrible va arriver, nous ferions mieux d'être en alerte, tout bien en ordre, que tout soit confessé, que tout soit prêt, parce que nous ne savons pas à quelle heure au juste notre Seigneur va nous appeler. Et quand il fera sa sommation, montez plus haut. Vous ferez mieux d'être prêt. Et cela arrivera à l'heure où ne vous y attendez pas. Le grand réveil pentecôtiste est en train de se terminer. On le voit partout. Le dernier grand mouvement. Le message a été proclamé. Maintenant, tout est prêt, en attente. L'Église est scellée et mise à part. Les méchants sont encore plus méchants. Les églises deviennent plus formalistes. Les saints se rapprochent de Dieu. Les dons de l'Esprit commencent à se multiplier dans les petits groupes. Nous sommes au temps de la fin. Oh, j'aime ce chant que nous chantions autrefois à l'Église. J'attends la venue du millénium, ce jour béni, où notre Seigneur béni viendra chercher son épouse qu'il attend. Oh, mon cœur assoiffé soupire après ce jour de douce délivrance où notre Sauveur reviendra sur la terre. Nous attendons cette heure-là. Maintenant, au cinquième chapitre, au verset 5, nous avons vu dans notre dernière leçon, nous avons parlé du parent rédempteur. Nous avons vu que c'était Christ. Nous en avons montré le type avec Ruth. Ruth qui décide, Ruth en service, Ruth qui se repose. La décision, c'était la justification. Le service, quand elle se préparait, c'était la sanctification. Le repos, c'était quand le Saint-Esprit est venu
jusqu'au souper des noces. Comme c'est beau. L'Église est venue à travers John Wesley, la justification, Martin Luther, la justification, à travers John Wesley, la sanctification, à travers les pentecôtistes, le baptême du Saint-Esprit, et maintenant, elle se repose en attendant la venue de son Seigneur. Parfaitement. Notre parent rédempteur. Les anciens ont eu raison de l'appeler un agneau qui, comme juge, était sur le point de devenir un lion. Il était un agneau, vous savez, avec le livre scellé de sept sceaux. Une fois le livre pris, l'œuvre de la médiation était terminée. Maintenant, au chapitre 3, l'Église est montée et maintenant, la rédemption doit être révélée. Comment l'Église est rachetée? La révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'Église. Vous voyez, l'Église est partie. Alors maintenant, au chapitre 5, il montre comment il l'a fait. Ce qui s'est passé, comment il a scellé l'Église. La révélation de son nom, le baptême d'eau en utilisant son nom, la vie éternelle, pas d'enfer éternel, la semence du serpent, la sécurité éternelle, toutes les grandes doctrines, la prédestination de l'Église, tout cela a été révélé à l'Église. Il montre comment il a fait. Maintenant, notre parent reçoit un livre de la rédemption scellé de sept sceaux de la main du propriétaire originel. Amen. Nous avons vu que le propriétaire originel, c'était qui? Dieu lui-même. Et l'agneau vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qui était l'agneau? Le Rédempteur. Notre parent rédempteur, le parent de l'Église, qui est venu racheter Israël. Maintenant, nous allons entrer là-dedans ce matin. Israël a été racheté, mais ça ne leur a pas été appliqué parce qu'ils l'ont rejeté. Mais l'Église a reçu sa rédemption. Et il est notre parent rédempteur. Comme Boaz a dû racheter Naomi pour avoir Ruth la Moabite, une étrangère, une femme des nations. De même, Christ a racheté Israël. Il a effectué la rédemption, mais il a été rejeté. Vous vous souvenez de la grâce qui avait été signée pour cet homme qui a été fusillé, que je raconte à l'occasion, pendant la guerre civile? C'était un homme bon, il était innocent, et il avait été reconnu coupable, même si dans un sens il était coupable parce qu'il avait déserté au moment du combat. Il avait été reconnu et on allait le fusiller. Et un homme est allé voir le président Lincoln et lui a dit, « Monsieur Lincoln, cet homme est un chrétien. » Il a eu peur, ce garçon, je connais sa famille. Il a seulement pris peur, il ne voulait pas faire de mal. Il a déserté. Monsieur Lincoln, c'est entre vos mains, vous êtes le seul à pouvoir le gracier. Monsieur Lincoln a pris un bout de papier, sa plume et il a signé. Un tel est gracié, Abraham Lincoln. Il est vite retourné à la prison en disant, « Voilà, j'ai obtenu ta grâce. » Et l'homme a dit, « Je refuse de regarder ça. Il y aurait un gros cachet là-dessus, il y aurait tout. Tu te moques de moi, c'est tout. » Ce n'est pas Abraham Lincoln. N'importe qui peut imiter sa signature. Ce serait authentifié par son cachet et tout si ça venait de lui. Et l'homme a essayé de le persuader, mais malgré tout, le prisonnier pensait qu'il plaisantait. Alors il est parti. Et le lendemain matin, il a été fusillé. Et puis après qu'il a été fusillé, il y a eu un procès devant la Cour fédérale. Parce qu'Abraham Lincoln avait signé la grâce de cet homme 24 heures avant son exécution et que le gouvernement l'avait quand même fait exécuter. Et alors, ils l'ont fusillé. Alors quoi? Alors, la Cour fédérale des États-Unis a rendu l'arrêt suivant des cours fédérales disant « Un pardon n'est pas un pardon à moins d'être reçu en tant que pardon. » Et Jésus a racheté Israël au calvaire. Mais ce n'était pas un pardon pour eux parce qu'ils ne l'ont pas accepté en tant que pardon. Mais dans notre leçon ici, les 70 semaines, nous allons voir qu'ils reviennent accepter leur pardon.
mais il a racheté l'Église. Alors nous sommes pardonnés, graciés, parce que nous avons reçu le sang de Jésus-Christ comme notre pardon. Nous avons vu qu'il était notre parent rédempteur et qu'il a pris le livre de la main du propriétaire originel. C'est un titre de propriété de la rédemption. Vous vous souvenez de notre étude? C'est un titre de propriété de la rédemption. En plus, c'est un incontestable titre de propriété. En effet, Dieu avait exigé la vie en échange de la mort dans le jardin d'Éden. Alors Jésus, le juste, est mort et il a pris un titre de propriété. Et il a pu briser les sceaux, révéler ce qu'il y avait dedans et donner l'héritage à son peuple. À qui cela appartenait? La vie éternelle dont il avait hérité parce qu'il l'avait fait par sa propre vie, il nous l'a transmise au calvaire et il l'a répartie entre nous par le Saint-Esprit. Amen. Aucun homme n'a jamais pu avoir mais une petite idée de l'amour que c'était ce qu'il a fait. Satan, qui en avait été le détenteur à cause de la chute dans le jardin, est lié, jeté dans les temps de feu. Ses jours sont terminés. Jésus, dans l'Évangile, a eu 4 titres, ça nous l'avons vu. Fils de David, héritier du trône. Fils d'Abraham, la concession royale. Fils de l'homme, héritier de la terre. Fils de Dieu, héritier de toutes choses. La concession royale. Dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas garder une propriété en sa possession pendant plus de 50 ans. Son propriétaire originel ne pouvait pas en être privé pendant plus de 50 ans. Et le 40e jour, il a payé le prix. Le 50e jour, la rédemption et la puissance qui appartenaient à l'Église et qui avaient été perdues dans le jardin d'Éden ont été rachetées et nous ont été envoyées par le baptême du Saint-Esprit le 50e jour. Alors nous avons pris le rouleau. Nous avons pris les rouleaux. Nous avons vu que le rouleau avait été remis dans sa main. Jérémie, chapitre 32, 6. Son cousin Hanamel lui avait laissé un héritage et il partait en captivité. D'ailleurs, nous allons le suivre là-bas ce matin, en captivité. Et le rouleau avait été conservé dans un vase de terre, ce qui montre où la puissance de Dieu se trouve. Les rouleaux et les secrets de Dieu se font connaître dans le cœur. Notre plan de rédemption, lui aussi, a été conservé dans des vases de terre. Le nom de Jésus est la révélation. Nous avons vu que c'était scellé de 7 sceaux. Et chaque sceau était enroulé autour. Au moment où la révélation était donnée, il arrachait le sceau, il le déroulait et lisait ce qui était dit dans ce sceau-là. Après, il déroulait le suivant, le rouleau, et il lisait ce qui était là dans ce sceau. Et il déroulait le suivant. Et voilà, c'est exactement ce 7e sceau là où nous arrivons. Et nous avons confiance que ce sera ainsi avec chaque sceau. Et cela va montrer exactement ce qui s'est passé. Nous avons vu que 7, il y en a 5 dans le plan de la rédemption, le nombre c'est 5, et il y a 5, 7, 7 sceaux, 7 esprits, 7 anges, 7 trompettes et 7 âges de l'Église. Ainsi, vous voyez, les 5, 7, c'est la grâce, 5, c'est la grâce et 7, c'est la perfection. Alors, se déroule parfaitement dans la perfection. Très bien. Comme chaque sceau brisé dans la parole de Dieu, il révèle à l'homme de cet âge dans quel âge nous vivons, quel est l'esprit de l'âge, quelle est l'Église de l'âge. Dans Apocalypse 10, nous voyons qu'à la fin, quand le dernier sceau a été brisé, nous voyons que l'ange se tient là avec un pied sur la terre et l'autre sur la mer, les mains levées vers le ciel et un arc-en-ciel au-dessus de la tête, et qu'il jure par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aura plus de temps, le dernier sceau. Et attendez seulement que nous prenions ces sceaux et que nous voyons ce qu'il en est de ce sceau-là, après avoir vu ce qu'il en est 70 semaines. Ensuite, on verra ce qu'il en est des sceaux. Il n'y a plus de temps, la rédemption est terminée. Maintenant, il est le lion et le juge. Ce matin, il est votre sauveur, mais un jour, il sera votre juge. Du verset 14 du chapitre 5, c'est la révélation du temps où l'agneau est adoré, dans le ciel et aussi sur la terre.
le livre scellé de sept sceaux, l'agneau qui est digne, le parent rédempteur. Et puis du verset 8 au verset 14, les anges l'adorent, les anciens l'adorent, les êtres vivants l'adorent. Et Jean l'a adoré avec une telle ardeur qu'il a dit, « Toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre et sous la terre m'ont entendu disant, à l'agneau soit louange, gloire, puissance et sagesse, la force, le temps d'adoration pour l'agneau roi. » Maintenant, l'Église est partie, souvenez-vous. Maintenant, prenons Daniel au chapitre 9, du verset 1 au verset 3, et puis nous irons du verset 20 à 27, parce que ici, c'est juste la prière de Daniel. Je voudrais que vous lisiez et relisiez ceci plusieurs fois cette semaine, jusqu'à ce que vous le compreniez. La première année de Darius, de la race des Mèdes, lequel était devenu le roi du royaume des Chaldéens, la première année du règne, moi, Daniel, je compris par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem d'après le nombre des années dont Dieu avait parlé au prophète Jérémie. Alors, le verset suivant, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications par le jeûne, le sac et la cendre. J'ai prié au Seigneur Dieu et je lui fis cette confession. » Et il continue comme ça jusqu'à ce que nous arrivions au verset 20. Et là, pour gagner du temps, comme les gens sont debout, je voudrais que vous alliez jusqu'au verset 20. Le verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël. Et je présentais mes supplications devant l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Alors que j'étais encore en prière, l'homme Gabriel, que j'avais vu dans une vision, il s'avança vers moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Et il m'informa, il me parla en disant, « Daniel, je suis venu maintenant pour te donner de l'entendement. » Oh, si seulement nous avions pu être là. Comment l'a-t-il trouvé? Il était en prière. L'ange, l'homme, si vous remarquez, il a appelé l'homme. Et au commencement de tes supplications, l'ordre fut émis, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, ainsi, comprends la chose et saisis la vision. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte, sur ta ville, pour faire cesser les transgressions et pour mettre fin au péché et pour faire réconciliation pour l'iniquité et amener la justice éternelle et pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Voici les six raisons de sa venue. Maintenant, remarquez. Maintenant donc, prends connaissance et comprends. Maintenant écoutez, depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au Messie, le Prince, il y aura 7 semaines, 62 semaines, et les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en un temps d'angoisse. Après 62 semaines, le Messie sera retranché, et il n'y aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra, le prince qui viendra, détruira la cité et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation, et il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Et écoutez, et il va confirmer l'alliance, une de ces 70 semaines, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et le dévastateur ira à l'extrême de l'abomination
jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alors voilà notre texte pour les 3, 4 ou 5 prochaines réunions. Ce que le Seigneur voudra bien nous révéler. 70 semaines. Maintenant, je vais demander à Doc s'il veut bien m'installer le tableau là, ce soir, pour que je puisse représenter ça. Je ne veux pas que vous le manquiez. Maintenant, vous devez faire l'étude avec moi et la faire en profondeur, sinon vous allez le manquer. Et je veux dessiner ça au tableau, alors apportez un crayon, du papier et notez les dates, les temps et tous les renseignements. Maintenant, les 70 semaines commencent, maintenant saisissez bien, après que l'Église a été enlevée. Bon, tous ceux qui comprennent, dites Amen. Maintenant, après que l'Église a été enlevée, depuis Apocalypse 6.1 jusqu'à Apocalypse 19.21, c'est relié aux 70 semaines. C'est pourquoi nous devons nous arrêter et expliquer ça avant d'aller plus loin. Nous devons nous arrêter et expliquer pourquoi ces 70 semaines. Parce que sinon, vous allez manquer les sceaux, vous allez manquer les trompettes, vous allez manquer les coupes, les fléaux, ces trois esprits impurs comme des grenouilles, les trois malheurs, le dragon rouge qui est précipité, la femme dans le soleil. Vous allez manquer tout ça. Sinon, parce que c'est en plein dans cette 70e semaine que ça arrive. C'est là que ça arrive. Maintenant, le prophète Daniel était à Babylone depuis 68 ans. Vous voulez consulter les références si vous voulez gagner du temps, parce que j'ai passé à chercher ça, 68 ans. Il était entré en captivité en 606 avant Jésus-Christ. Et c'est en 538 avant Jésus-Christ que la vision lui est venue. 606-538, ça fait 68 ans qu'il avait été à Babylone au milieu des païens, et il avait toujours la victoire, et nous ne pouvons pas garder une heure. Mais lui, il avait été en plein dedans, et il avait seulement trois compagnons avec lui, et eux étaient ailleurs dans le royaume. Mais Daniel était seul avec Dieu, et il a gardé la victoire pendant 68 ans. Pensez-y. Je ne veux pas me mettre à prêcher parce que c'est censé être un message d'enseignement. Mais pendant 68 ans, il avait gardé la victoire. Il ne s'était pas souillé aux yeux de Dieu. Et ça, sans le baptême du Saint-Esprit. Sans le sang de Jésus-Christ qui intercède pour lui. Il n'avait que le sang des taureaux, des boucs et des génisses qu'il devait offrir en secret. À cause des traditions païennes de ce pays-là. On les a emmenés là, Jérémie avait prophétisé qu'ils iraient. Maintenant, Daniel, oh là là, il avait commencé à voir que le moment approchait, tout comme nous aujourd'hui. Daniel a commencé à voir, il a dit, par la lecture des livres. Et la première année du règne, moi, Daniel, je compris par les livres le nombre d'années qui allaient s'écouler. La parole est venue à Jérémie le prophète qu'il devait y avoir 70 ans pour la désolation de Jérusalem. Jérémie, en 606 avant Jésus-Christ, avait prophétisé qu'à cause de leur péché et de leur impiété, ils y resteraient 70 ans. Vous vous souvenez, il y avait un autre prophète qui apparut à cette époque, son nom m'échappe maintenant. Je pourrais peut-être le trouver dans quelques minutes, si je cherche un petit peu. Mais lui, et il est venu en disant, « Jérémie, tu as tort. Dieu va laisser Israël là-bas pendant seulement autant de jours, environ 2 ans. » Jérémie a dit qu'il en soit ainsi. Amen.
Mais il a dit, mais attends, toi et moi en tant que prophète, on va vérifier ça ensemble. Il a dit, souviens-toi, il y en a qui ont prophétisé avant nous et qui ont dit des choses qui étaient fausses. Et ils ont eu affaire à Dieu pour avoir dit des choses fausses. Alors, soyons bien certains. Mais à moi, le Seigneur Dieu m'a dit qu'il y a encore 70 ans, et Dieu a frappé ce faux prophète, il lui a ôté la vie la même année. Parce que Dieu avait dit au vrai prophète qu'il y aurait 70 ans. Je voudrais que vous remarquiez que Daniel, même s'il était un étranger, même s'il avait été séparé de son peuple, séparé de son église, il n'avait pas de réunion du tout, pas d'église où aller, pas de cantique à chanter, autre que ceux qu'il chantait tout seul. Malgré tout ça, il est resté ancré à ce que le prophète avait dit. Amen, gloire à Dieu. Il n'avait pas d'église où aller, personne avec qui fraterniser. Tout le monde allait dans des temples païens. Tout le monde adorait leurs idoles. Pas de chant chrétien. Personne qui ne croyait la même chose que lui. Et pendant 68 ans, depuis qu'il avait été emmené là-bas comme un jeune homme, 12 ou 14 ans, il est resté fidèle à Dieu. Et il a compris par le prophète Jérémie que les jours étaient presque écoulés. Oh, que ce sentiment de mise en garde devrait animer le cœur de tout vrai prophète de Dieu aujourd'hui, quand nous regardons en arrière pour voir ce que ce vrai prophète avait dit et que nous savons que nous sommes au temps de la fin. Il disait, j'ai compris par les livres que Jérémie, mon frère, il y a bien des années, a prophétisé qu'Israël resterait ici pendant 70 ans. Et le temps est presque écoulé. Et il s'est préparé. Il a publié un jeûne. Il s'est sanctifié. Il a pris la cendre et le sac. Il a mis ça sur sa tête et il s'est mis à jeûner et à prier pour comprendre ce qu'il en était du jour où il vivait. Et si Daniel, le prophète du Seigneur, a pu consulter les livres de Jérémie et que cela lui fasse un tel effet, que même le fait qu'Israël sorte, que tous ceux qui étaient vivants sortent de Babylone pour retourner dans leur patrie, et que ça le fasse jeûner et prendre le sac et la cendre, combien plus d'effet cela devrait faire à l'Église du Dieu vivant, de savoir que le temps est en train de se terminer et qu'il n'y aura plus de temps et que la venue du Seigneur Jésus-Christ et le glorieux millénium vont bientôt être là. Comment peut-on perdre son temps, le gaspiller, à jouer à des jeux d'argent, à aller à la piscine le dimanche? Pas de temps pour le Seigneur. On fait un saut là-bas, si le Seigneur dit quelque chose qui ne nous plaît pas, on se lève et on sort. Et si la réunion dure trop longtemps, eh bien on est mécontent. Regardez dans quel état nous sommes. Regardez ce que nous faisons. Comparons notre vie avec ce prophète. Un seul homme, dans un royaume entier, sans église où aller, ni aucune nulle part où aller. Tout avait été détruit et brûlé. Sa ville, son peuple était captif. Pendant 68 ans. 68, 69, 70, et il lui restait 2 ans. Alors quand il s'est mis à lire dans le livre et qu'il a vu que le temps s'accomplissait, pour l'accomplissement, il est allé devant Dieu dans la prière pour savoir ce qu'il en était. Quel temps! Qu'est-ce que nous faisons? Alors que les nations se disloquent et que la mer rugit et que le cœur des hommes défaille de peur, dans un temps de perplexité. Toutes ces choses, l'écriture sur la muraille, la ségrégation raciale, le mal sous toutes ses formes qui règne dans le monde, et les querelles, les bagarres et les histoires. Il y a assez d'armes suspendues dans les silos
pour qu'un petit pays de la taille de Cuba près d'ici soit capable de détruire le monde en 10 minutes. Et eux, ils se querellent, des hommes impies, qui ne connaissent pas Dieu et qui ne connaissent pas sa puissance. Et le Saint-Esprit est dans l'Église, en train d'agir parmi les élus, de montrer qu'il est vivant après 2000 ans et qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Comment peut-on rester assis là, nonchalamment? Comment peut-on prendre la chose comme ça, à la légère? Il est temps de s'examiner en voyant cette grande heure qui approche. Maintenant, il avait lu dans Jérémie, au chapitre 25. Prenons Jérémie, chapitre 25, et lisons ce que Jérémie avait à dire. En fait, commençons au verset 8, parce que je vais être sûr que vous le saisissiez. C'est le verset 11 que j'avais noté, mais commençons au verset 8. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel des armées. Oh, j'aime ça. Quand j'entends un prophète se tenir là avec le « ainsi dit le Seigneur ». Frère, c'est ça. Pour moi, ça règle la question. Il n'y a rien à ajouter. Ainsi dit l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté ma parole. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je les ferai venir contre ce pays, et contre ses habitants, et contre toutes les nations alentour, afin de les dévouer par interdit, les détruire. Souvenez-vous, c'est à des élus de Dieu qu'il parle là. Ce n'étaient pas des infidèles. C'était des membres d'Église. De plus, je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance, les cris d'allégresse. C'est ce qu'on a aujourd'hui, tout ce rock'n'roll, Ricky et Elvis. Les chants du fiancé, les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Et tout ce pays sera désolé dans la désolation. Écoutez ce prophète qui s'écrie. Tout ce pays deviendra une ruine. Et ce n'est pas que je veuille imiter ce grand serviteur de Dieu, mais je prophétise que toute cette nation deviendra une ruine. Dieu va punir cette nation à cause de ses péchés. Si Dieu n'a pas fermé les yeux sur les mauvaises actions d'Israël, son élu, la semence d'Abraham, à qui il avait donné son alliance et sa promesse, pourtant ils étaient religieux jusqu'à la moelle, avec leurs grandes églises, leurs sacrificateurs, leurs rabbins, mais à cause de l'immoralité et de ces choses qu'il y avait parmi eux, Dieu leur a fait récolter ce qu'ils avaient semé. De même, nous aussi, nous aurons affaire à lui. Verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert. C'est-à-dire qu'en les voyant, tout le monde dira, voilà où ils en sont. Eux qui étaient si puissants, regardez-les maintenant. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. C'est toute une vie. C'est quand votre chère maman bénie, qui est âgée maintenant, était un bébé. Ils sont restés là sans Dieu, sans église, sans chant, sans rien du tout. Pendant toute une génération. Jusqu'à ce que cette génération pécheresse soit entièrement disparue. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je punirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai une ruine perpétuelle. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui,
Tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toute la nation, car des nations puissantes et de grands rois les asserviront, eux aussi, et je rendrai selon leurs œuvres et selon les paroles de leurs mains. Car ainsi dit l'Éternel Dieu d'Israël, prends de ma main cette coupe remplie de vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Autrement dit, Jérémie, je t'ai donné ce message. Ne reste pas tranquille à ne rien faire, toujours au même endroit, mais prophétise à toutes les nations. Vous me suivez? Prophétise à toute la nation. Montre mes signes et mes prodiges et fais-leur savoir que je viens accomplir ceci. Ils boiront et ils chancelleront et seront comme fous à cause de la parole que j'enverrai au milieu d'eux. Et ce jour même, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous traitent de faux prophètes. Ils vous traitent de faiseurs de compromis. Ils vous traitent de fanatiques, de devins, ou de faiseurs de songes, ou de quelqu'un qui fait de la télépathie mentale. Ils seront comme fous. Et le mot fou, si vous analysez, ça veut dire atteint de folie. Ils deviendront littéralement fous et ils diront, « Oh, ne vous occupez pas de cet exalté, de ces absurdités, à cause de la parole que j'enverrai au milieu d'eux. » Est-ce que vous voyez l'histoire qui se répète? Jérémie n'était pas d'accord avec leurs pharisiens, leurs sadducéens, leurs hérodiens ou quoi encore. Il proclamait seulement la parole. Et ça les rendait tous fous furieux. Pourquoi? Maintenant remarquez. Et alors, je pris la coupe de la main de l'Éternel et je la fis boire à toutes les nations. Jérémie n'est pas resté à la maison. Jérémie ne s'est pas confiné à son petit patelin, mais il l'a fait boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. Jérémie a pris la parole de l'Éternel, le vin de sa parole. Et le vin, c'est la puissance de sa parole. Le vin a une puissance. Le vin intoxique. Il y a de la puissance dans le vin. Et j'ai pris la parole de l'Éternel, a dit Jérémie. Et je l'ai manifestée. Le vin, la puissance qui est en elle. Et je la leur ai démontrée. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Dieu a dit, alors je les enverrai à Babylone pour 70 ans. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ils y sont tous allés, les justes et les injustes. Revenons à notre leçon. Daniel avait lu, pensez un peu. Daniel a lu les mêmes paroles que nous lisons ce matin. Daniel a lu la même Bible, avec la même ponctuation, les mêmes phrases, les mêmes choses que ce que moi, avec l'aide de Dieu, je vais vous lire dans les quelques messages à venir. La même chose pour vous montrer que nous sommes au temps de la fin. Alors Daniel, avec la parole de Jérémie, il descend à Babylone. Et il était le prophète oint. Et il a opéré des miracles, des signes. Il pouvait interpréter les langues inconnues. Et il a accompli des signes et des prodiges au milieu d'eux. Et pourtant, il n'avait personne avec lui. Il était seul. Il était seul. Mais Jérémie avait écrit ces paroles bien des années auparavant. Et Daniel, en interprétant la parole, il a compris. Eh bien, un instant là, nous approchons du temps de la fin, puisqu'il y a déjà 68 ans que je suis ici. Et le prophète du Seigneur, mon frère,
le vrai prophète de Dieu qui a prouvé qu'il était prophète. Il nous a donné une prophétie. Je l'ai là, c'est écrit dans le livre. Il s'écoulera 70 ans. Oh Seigneur Dieu, nous approchons de la fin. Ceux de cette génération-là sont tous morts. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Seigneur? Tu as promis de nous envoyer. Et il a décidé de se mettre en prière. Oh Dieu, s'il y a un temps où nous aussi nous devrions nous mettre en prière, c'est bien maintenant. Car nous qui sommes son vrai serviteur, nous pouvons voir par les lettres de l'apôtre, par le Saint-Esprit, par les avertissements du Saint-Esprit, que nous sommes au dernier jour. Le Saint-Esprit le dit, dans les derniers jours, les hommes seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien. C'est ce que je comprends par la lettre. Et je comprends qu'il y aura des moqueurs au dernier jour. Je comprends qu'une nation s'élèvera contre une nation au dernier jour. Je comprends qu'il y aura des raz-de-marée au dernier jour. Je comprends qu'il y aura des choses qui feront peur à voir, comme des soucoupes volantes dans le ciel, des choses mystérieuses, et que la peur fera défaillir le cœur des hommes. Ce sera un temps de perplexité et les gens seront dans l'angoisse. Je lis qu'ils se rassembleront tous dans des organisations, dans des dénominations, et qu'ils formeront une confédération au dernier jour. Je comprends que les femmes se couperont les cheveux dans les derniers jours. Je comprends qu'elles s'habilleront court avec des talons hauts, qu'elles feront résonner en marchant au dernier jour. Je comprends que les mœurs seront très relâchées au dernier jour. Je comprends que les prédicateurs seront de faux bergers au dernier jour, qu'ils feront des compromis, et qu'au lieu de nourrir les gens de la parole de Dieu, ils se tourneront vers des credos et toutes sortes de choses. Mais je comprends aussi qu'il y aura une voix qui se fera entendre, qu'elle criera dans le désert, qu'elle appellera les gens à revenir au message originel, à revenir aux choses de Dieu. Je comprends par le livre que ces choses vont avoir lieu. Je comprends que dans les derniers jours, il y aura une famine. Les églises seront tellement organisées, tellement arrêtées et tout, qu'il y aura une famine dans les derniers jours, et que ce ne sera pas seulement pour le pain et l'eau, mais pour entendre la vraie parole de Dieu. Et les gens viendront de l'est, de l'ouest, du nord et du sud, cherchant à entendre la vraie parole de Dieu. Mais les églises seront tellement organisées, tellement figées, qu'elles ne l'entendront pas. Je comprends cela par les livres. Mais en ce jour-là, ô Dieu, il y aura une branche qui va s'élever de David. Je comprends qu'il enverra Élie avant que ce jour arrive au temps de la fin et qu'il aura un message qui ramènera le cœur des enfants au Père, qui les ramènera à l'original, qui les fera retourner jusqu'au bout et recommencer. Je comprends que cela se produira juste avant que l'Esprit quitte l'Église des Nations pour se tourner de nouveau vers les Juifs. Et je ne comprends pas seulement par la lettre, je comprends par la parole écrite, qu'Israël retournera dans sa patrie. Et je la vois entrer. Je comprends par la lettre des prophètes qu'Israël deviendra une nation. Ils vont rétablir l'adoration dans le temple. Dieu traitera de nouveau avec elle et quand elle sera retournée dans sa patrie. Oh, deux prophètes paraîtront parmi eux dans les derniers jours. C'est ce que je comprends. Au moment du départ de l'Église des Nations, deux prophètes arriveront, Élie, Élisée et Moïse pour Israël.
Nous verrons cela au cours de notre étude. Le prophète a vu que leur temps là-bas à Babylone était presque écoulé. Très bien. Gabriel apparaît. Pas seulement pour révéler ce qu'il avait demandé, mais pour lui faire comprendre tout ce qui avait été résolu pour la race juive jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il avait demandé une petite chose. Et il a reçu toute la chose. Il avait seulement demandé à savoir. Ce que Daniel voulait savoir, c'était « Combien de temps, Seigneur, reste-t-il encore ?» Le prophète Jérémie, ton serviteur, mon frère, il a prophétisé il y a 68 ans. Il a dit que c'est pendant 70 ans que ce peuple resterait ici. L'ancienne génération est presque toute disparue maintenant. Une ancienne génération de Pentecôte a paru il y a 40 ans. On les appelait les vétérans du combat. Ils se sont organisés, ils se sont bagarrés, disputés tout le long, du mont Horeb jusqu'au mont Nebo, tout le long. Mais nous avons fini par arriver au fleuve maintenant, et il va en susciter une nouvelle avec un Josué pour les faire traverser. La loi a échoué, Moïse l'a suivi, Moïse a échoué. C'est Josué qui les a fait traverser. Nous voyons que les organisations ont échoué. Mais l'Esprit de Dieu, Josué, le mot Josué veut dire Jésus notre Sauveur. C'est le Saint-Esprit qui viendra dans l'Église. Pas une organisation. Mais le Saint-Esprit viendra parmi les gens et il les préparera à monter, à traverser le Jourdain. Je comprends par la lecture du livre que c'est ce qui va arriver. Et Dieu sait que c'est ce que je recherche en ce moment, que je puisse apporter la consolation à son peuple et leur dire ce qui est près d'arriver et le dire à ceux qui sont ici ce matin aussi bien qu'à ceux qui sont partout où ces bandes iront dans le monde entier et que nous sommes au temps de la fin. Il a révélé tout ce qui allait arriver jusqu'au moment où le royaume serait entièrement rétabli, jusqu'au millénium. C'est le message de Gabriel. Il a dit, je suis venu te dire qu'il y a 70 ans, encore 70 semaines qui ont été fixées sur ton peuple, qui ont été fixées jusqu'à la fin de la génération des Juifs. 70 semaines. Maintenant, écoutez ce qu'il a dit. Depuis l'annonce du rétablissement, 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta cité. Ta cité. Sa ville, ce n'était pas Babylone. Où était sa ville? Jérusalem. Maintenant, quand nous arriverons aux 7 ou aux 6 confirmations, nous allons voir ce qu'est cette cité. Établir cela et montrer qui c'était, qui en était le fondateur, d'où elle est venue, combien de temps restera-t-elle debout, sera-t-elle reconstruite, à quel moment, oh, de grandes choses nous attendent. Très bien. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta cité pour faire cesser les transgressions. Il n'a jamais dit Daniel. Évidemment, il a bien dû lui dire que les 70 semaines, je veux dire que les 70 ans étaient presque écoulés. 68, il ne manquait plus que 2 ans. Et nous voyons ici que la prophétie de Jérémie était absolument exacte. 2 ans plus tard, il sortait. Néhémie a obtenu une autorisation du roi et il a reconstruit la muraille en des temps difficiles. Ils ont travaillé. Écoutez ceci. Faire cesser les transgressions, mettre fin au péché. Mettre fin au péché. Pour qui? Pour les Juifs. Cela a été déterminé sur ton peuple, pas sur les nations, mais sur ton peuple, les Juifs. Et sur ta cité, pas New York, ni Boston, Philadelphie, Chicago, Los Angeles, Rome. Mais sur ta cité, Jérusalem. Et pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Et pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Prends donc connaissance et comprends, depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem, qui était sa cité, jusqu'au Messie, le prince, il y aura 7 des 70 semaines. Attendez qu'on y arrive. Oh là là. C'est une bénédiction. Il va falloir que j'apporte une corde pour m'attacher ici. Il a tout révélé jusqu'à la fin.
Il a dit, je ne vais pas seulement te dire là que ces deux années sont, ce sera terminé. Nous savons tous qu'ils y sont restés pendant exactement 70 ans et qu'ils sont sortis. Exactement ce que le prophète avait dit. Et Ésaïe, je veux dire, Daniel croyait ce prophète, alors il était là, prêt. Gabriel, quand il est venu, il a dit, je suis venu t'annoncer, te révéler ces choses jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Regardez. Jusqu'à l'extrême. L'abomination, la désolation. Je vais te montrer la consommation, la fin de toutes choses. Il dit, je vais te montrer ce qui va arriver. Maintenant, écoutez bien. Saisissez-le bien. Moi, Daniel, j'ai été envoyé. Tu es un bien-aimé au ciel. J'ai entendu tes prières. Et maintenant, je suis descendu pour t'annoncer ce qui a été déterminé pour les Juifs et pour Jérusalem à partir de maintenant jusqu'à la fin de toutes choses. Toutes choses. Maintenant, est-ce que vous comprenez, ma classe? Si nous pouvons trouver ce que sont ces 70 semaines, nous saurons quand sera la fin. Oh là là, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à savoir. Il nous est dit exactement, quelque part dans ces pages, le temps exact de là jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, et ce sera précis à la minute près. Oh, la glorieuse parole de Dieu. Quand Dieu a fait la terre et l'a mise en orbite, et je prêchais l'autre soir dimanche soir, qu'il n'y a rien qui fasse défaut. Le mouvement de ce monde est tellement parfait qu'ils peuvent vous dire exactement à quel moment le soleil et la lune vont s'aligner dans 20 ans. Vous dire la minute précise, aucune horloge de ce monde ne me permettrait de vous dire ça. Même la meilleure, elle avance de 2 ou 3 minutes par mois ou elle retarde. On ne peut rien faire d'aussi parfait. En effet, il n'y en a qu'un qui soit parfait. C'est Dieu. Et Dieu et sa parole, c'est la même chose. Donc la parole de Dieu est parfaite. Et si nous arrivons à trouver ces jours-là, nous trouverons exactement quand sera la fin. Vous saisissez? C'est déterminé jusqu'à la consommation. Verset 24. Ton peuple et ta sainte cité, c'est-à-dire Jérusalem. Je suis au verset 21, verset 24. Jésus en a parlé dans Matthieu 24. Maintenant, frère Collins, s'il est ici ce matin, je ne sais pas s'il est ici. Quand nous avons eu des questions l'autre soir, il a posé une question. J'imagine que ça ne vous dérange pas que je le dise, frère Collins. Au sujet de l'abomination qui cause la désolation, ce que ça voulait dire. Jésus en a parlé dans Matthieu chapitre 24. Et nous voyons, Matthieu 24, 15. Laissez-moi prendre ça rapidement. Jésus qui parle de la même chose ici en citant Daniel. Matthieu 24, 15, pour vous qui prenez des notes, je voudrais que chacun de vous, surtout ce soir et dimanche prochain, que vous apportiez des crayons, du papier, à moins que vous ayez un magnétophone. Donc 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, pensez-y, je crois que ça, c'était 486 ans avant. Le prophète Daniel, établi en lieu saint, regardez là dans votre Bible, c'est entretiré, et que celui qui lit fasse attention, aurait été en train de parler aux Juifs.
Parle aux Juifs. Ils veulent savoir, qu'en est-il de ce temple? Quand sera-t-il détruit? Quand sera-t-il reconstruit? Quand viendra le temps où il ne restera pas pierre sur pierre? Combien de temps cela va-t-il durer? Il a dit, quand vous verrez l'abomination qui cause la désolation établie, là, dans Daniel, établie en lieu saint, il a dit, quand vous verrez cela arriver, alors que celui qui lit comprenne ce qu'il est dit. C'est la raison pour laquelle nous prions Dieu de rendre cela tellement parfait qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute. En effet, nous ne devons pas ajouter notre propre interprétation à ces choses. Ça doit venir, ainsi dit le Seigneur. Alors j'en reste là, jusqu'à ce que je comprenne. Il lui a révélé toutes choses, cette abomination. Et souvenez-vous, il y a plusieurs sens à ça. C'est comme pour appeler mon fils à sortir d'Égypte, comme Israël a été appelé à sortir, Jésus, son fils, lui aussi a été appelé à sortir. Et ça va se passer exactement comme ça, aussi sûr que je suis ici. Et il l'a fait de telle manière, il a complètement caché cela. Il l'a complètement caché à l'Église. Oh, quand nous allons nous mettre à étudier ça, ces six choses à comprendre qu'il a cachées pour que l'Église soit constamment aux aguets. Mais maintenant, l'âge de l'Église est presque terminé. Alors tout est prêt maintenant pour sa venue. Ça se prépare. C'est l'un des passages les plus importants du livre. Qu'est-ce qu'il fait? Il annonce quand ce sera terminé pour la nation juive, le peuple juif. Ce passage des Écritures, les 70 semaines, il révèle et dit exactement ce qu'il en est à partir du moment où Daniel a commencé là-bas, jusqu'au moment où ce sera la fin de toute chose. C'est l'une des plus formidables horloges. Combien m'ont déjà entendu dire, si vous voulez savoir quel jour de la semaine on est, regardez le calendrier et observez les Juifs. C'est exact. C'est le calendrier de Dieu. N'importe quel théologien, n'importe quel étudiant de la Bible, n'importe qui vous dira que l'horloge, c'est les Juifs. Au fait, quelle heure est-il? Oh, les gens ont chaud. Oh. Ça n'a rien à voir avec les nations. Les sept sceaux, les sept fléaux, les sept malheurs, les sept trompettes n'ont absolument rien à voir. L'Église des nations sera dans la gloire à ce moment-là. Rien à voir avec nous, l'Église des nations. Il ne s'agit là que d'Israël. Daniel, ton peuple et Jérusalem. Maintenant, et il révèle le fait que Dieu traite seulement avec les Juifs quand ils sont dans leur patrie. Alléluia. Je pense que là, on vient de toucher le point fondamental. Les gens essaient toujours de compter à partir du moment où Israël était là, à l'époque de Daniel. Un grand auteur, comme je sais qu'il y a de ses disciples assis ici, je ne le dirai pas, mais c'est pour ça qu'ils ont eu toutes ces faussetés. Savez-vous que les milléristes, avant de devenir les adventistes du septième jour, ce qu'ils ont fait là, en 1919, ils ont pris leurs ailes, vous savez, dans le journal, le courrier, et ils sont montés là pour s'envoler là-bas? Les milléristes, ils avaient déduit cela des 70 semaines de Daniel. Oui, les milléristes, plus tard, avec Mme Ellen White, qui était leur prophétesse, ils ont fait volte-face pour se donner le nom d'Adventiste du septième jour. Ils ont changé de nom pour s'appeler la voix de la prophétie. Mais trois noms différents. Mais ils avaient tort! Parce qu'ils essayaient d'appliquer les 70 semaines à la fois aux Juifs et aux nations, alors qu'il est, il est ici que c'est pour ton peuple. Et jamais Dieu n'a traité avec les Juifs quand ils n'étaient pas en Palestine. Et quand au bout des 70 et 2 semaines, le Messie a été retranché, pas pour lui-même, c'est pour nous qu'il a été retranché. Israël a été dispersé et c'est seulement il y a quelques années qu'ils sont retournés dans leur patrie. Alors, dans cette période-là, le temps n'a pas été compté pour l'âge de l'Église. Vous saisissez? Ça ne peut pas être 1919.
je peux vous montrer qu'il s'est passé quelque chose en 1919. Mais ça, c'est quand cet ange, quand le message du troisième ange s'est fait entendre et qu'un des malheurs a frappé, exactement. C'est quand la guerre s'est terminée de façon mystérieuse. Nous verrons ça au chapitre 7, quand nous y arriverons. Au chapitre 7. Vous m'avez tous entendu prêcher là-dessus bien des fois. Sur le message de l'ange, quand il a dit « Retenez les quatre vents de la terre jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les Juifs, les serviteurs. » Et allons, ils attendu pendant tout ce temps jusqu'à ce que l'ère des nations soit complètement terminée. Et là, il scelle les Juifs, les 144 000 qui reçoivent le Saint-Esprit. C'est là qu'on a les 144 000, Apocalypse 7. Et j'ai vu une grande foule déjà dans le ciel. Jean l'a vu, de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Et ils se tenaient devant Dieu avec des palmes dans leurs mains et revêtus de robes blanches. Et ils chantaient, ils criaient, Alléluia, Amen. La gloire, la sagesse, l'honneur, la force et la puissance soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Jean ne pouvait pas comprendre à ce moment-là. Mais il a regardé en arrière et il a vu sur le mont Sinaï, gloire, 144 000 qui ne s'étaient pas souillés avec des femmes, des Juifs, des femmes, des églises. Il ne s'était joint à aucune organisation, luthérien, méthodiste, baptiste, presbytérien. Mais c'était les Juifs, depuis le début. Les Juifs orthodoxes qui avaient leur temple là-bas, où ils adoraient, sur le mont Sinaï. C'est eux, les 144 000. Ça, c'est après ceci. L'Église est déjà dans la gloire, voyez. Ainsi, M. Smith avait tort. Forcément. En effet, comment feriez-vous appliquer ça en 1919, faire sortir les 144 000? Ça, c'est un retour au russellisme. C'est un retour à la doctrine de Russell, d'après laquelle Jésus est venu en 1914. Il a pris son Église en 1919. Et maintenant, il est un corps mystique qui parcourt la terre pour ressusciter. Et il va à la tombe de grand-papa ou grand-mère et il les fait tous ressusciter. C'est du non-sens, c'est absurde. Ça n'a aucun sens vis-à-vis de la parole. Non, pas du tout. Mais Dieu a la vérité. C'est Dieu qui peut le révéler, situer tout ça et nous montrer exactement ce qu'il en est. Je crois qu'il va le faire. Moi, je ne sais pas ce qu'il en est. Je vous dis la vérité. Moi, je ne sais pas. Mais seulement, je mets ma foi. Je mets ma foi en lui qu'il va le faire. Ainsi, vous voyez, jamais Dieu n'a traité avec les Juifs. Je veux que vous reteniez bien ça en tant qu'Israël. C'est là que j'essayais de dire à ce frère qui était ici, tenez-vous loin d'Israël. Tenez-vous loin de là, vous tous qui parlez d'aller convertir les Juifs, avant que ce message soit terminé. Vous verrez que c'est ainsi dit le Seigneur, par la parole et aussi par l'Esprit. Israël sera converti, toute la nation, en une nuit. La Bible le dit. Mais l'Évangile n'est même pas pour eux. Il y a quelques renégats qui sont en dehors, et ainsi de suite, comme ça, qui entrent et qui sont en dehors du corps principal des Juifs, qui entrent et reçoivent le salut. C'est vrai, je crois ça de tout mon cœur. Mais souvenez-vous, en tant qu'Israël est en dehors de son pays, ils ne peuvent pas être sauvés. Et maintenant, ils retournent, et ils seront sauvés, toute la nation, au complet, en un jour. La Bible le dit. Un jour ramènera entièrement tout Israël à Dieu. Quelle chose de tellement puissant va arriver en Israël un de ces jours que ça va ébranler la nation tout entière. Même le prophète s'est écrié et il a dit, « Tu as fait cela en un jour. » En un jour, ils le verront. Quelque chose de puissant va arriver. À mon avis, ce sera un prophète puissant qui paraîtra et qui se tiendra devant Israël pour leur prouver que le Messie est toujours vivant. Que ce Messie qu'ils ont rejeté, maintenant ils lisent cette Bible, la Bible d'Israël. Ils la lisent de droite à gauche, c'est leur manière de lire. Vous savez comment, dans la langue juive, quand ils lisent cela, Petrus leur a envoyé un million de Bibles. Ils ont dit, si ce Jésus, c'était ces Juifs qui avaient été ramenés d'Iran, de par là, ils n'avaient jamais entendu parler d'un Messie. Et au moment où ils allaient retourner dans leur patrie, eh bien, ils ne voulaient pas monter dans l'avion. Ils en étaient encore à labourer avec les anciennes charrues. Voyez, combien ont lu ça dans le magazine Look, dans Look et dans le Time? Ils ne voulaient pas monter dans les avions. Et ce vieux rabbin, cette nuit-là, il a dit, « Souvenez-vous, notre prophète a dit que nous allions retourner dans notre patrie sur les ailes d'un aigle. » Les nations se disloquent. Israël se réveille. Les signes que la Bible a prédits.
Les jours des nations sont comptés, remplis d'effroi. Retournez, ô dispersés, vers les vôtres. Frémeux de vous réveiller. Vous l'avez entendu et entendu sans cesse, mais un de ces jours, ce sera la dernière fois. Israël retourne dans sa patrie. Le jour où Dieu décidera qu'Israël est une nation, ce jour-là, il n'y aura plus un seul non-juif de sauvé. Je vais le prouver par les 70 semaines. Si seulement je peux trouver ces jours, je vais aller chercher des calendriers astronomiques, le julien, l'astronomique, le romain, tous ces calendriers. Il y a plus quelque part, Dieu le sait, il peut le révéler, voyez. Je sais que dans le calendrier julien, il y a 365 jours et un quart dans une année. Ainsi, il y a plein de confusion là-dedans. Mais il y a une vérité quelque part. Je vois tant d'églises, d'organisations, tant de gens qui prennent telle direction. Et les uns, c'est « Je vous salue Marie » et les autres, ils adorent ceci, cela. Il faut qu'il y ait une vérité quelque part. Il faut qu'il y ait un Dieu quelque part. Il faut qu'il y ait un message quelque part. Je vois s'élever des faux prophètes qui imitent le discernement et toutes sortes d'autres choses qui se passent. Il faut qu'il y en ait un vrai quelque part qui ait servi de modèle à cette imitation. Je vois des gens qui entrent dans la chair, qui crient et qui s'emballent, et ensuite ressortent et vivent n'importe comment. Il faut qu'il y ait un Saint-Esprit authentique quelque part. Je vois des gens qui se donnent des airs religieux et tout, et qui essaient d'être pieux. Je sais qu'il y a un Dieu authentique quelque part. Il y a un esprit authentique quelque part, parce que cette espèce d'hypocrite, cette espèce de contrefaçon, c'est une imitation, mais il doit y avoir quelque chose de réel. Un homme, un peuple, une église, un Dieu. Il faut qu'il y ait quelque chose de vrai quelque part. Parce que ceux-là ne sont que des imitations. Il y a quelque chose de vrai quelque part. J'ai parlé à cette église au sujet des dons. Faites attention à vos dons. Gardez-les conformes à la Bible. N'acceptez pas un substitut alors que les cieux sont remplis des vrais dons. Tenons-nous aux vrais, prenons les vrais, ou n'en prenons pas du tout. Maintenant, c'est un fait que Dieu traite avec Israël seulement quand elle est dans sa patrie. Prenons par exemple, quand Abraham a quitté sa patrie pour aller en Égypte, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est éloigné de la volonté de Dieu et il n'a plus été béni tant qu'il n'est pas retourné dans sa patrie. Dieu n'a plus traité avec lui. Pas une vision, rien d'autre tant qu'il n'est pas retourné dans sa patrie. Regardez Israël. Quand ils ont été envoyés en Égypte pour 400 ans, pas un miracle, pas un seul signe, pas la moindre chose au milieu d'eux. Il n'y a rien de mentionné dans l'histoire du livre. Toujours le même train-train. Aller à l'église, offrir l'agneau, dire un « Je vous salue Marie » ou ce qu'il fallait dire et retourner. L'année suivante, c'est pareil. Les prêtres étaient tous là à se disputer. Le rabbin un tel, on va élire le rabbin un tel. Il a fait plus d'études, il connaît mieux les Égyptiens. Et bientôt les Égyptiens, ils étaient tous pareils. C'est exactement ce qui est arrivé à l'église. Nous nous sommes faits méthodistes, baptistes, presbytériens, et nous, on est diplômés d'Hartford, on est diplômés de Wheaton, on est diplômés de quelque part, ou bien de Bob Jones, on est licencié en lettres, on a un doctorat en théologie, en droit, autre chose. Et ça donne quoi au bout du compte? Des absurdités. C'est comme ça que ça se passait en Égypte. Et Dieu n'a jamais traité avec Israël tant qu'elle n'est pas retournée dans sa patrie. Écoutez-moi! Ainsi dit le Seigneur, Dieu ne traitera pas avec son Église tant qu'elle ne reviendra pas dans sa patrie. Le message de l'heure. Revenez à l'original. Laissez tomber vos idées méthodistes, baptistes, presbytériennes, pentecôtistes, des assemblées, des unitaires, des trinitaires, de la catupité, et quoi encore, l'Église de Dieu, les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, l'Église de Christ. Tous des mouvements antichrist. Et je me rends bien compte que ceci va partout dans le monde. Tous dans l'erreur. Tous du diable. Oh là là, il y a des hommes saints dans chacun d'eux. Il y a des gens saints dans chacun de ces mouvements. Mais l'organisation elle-même n'est pas de Dieu.
Et Dieu ne la bénira jamais, il ne l'a jamais fait. Je demande à tout historien, vous qui entendez cette bande, de m'écrire pour me citer une seule fois où l'Église s'est organisée et où Dieu ne l'est pas mise au rancard pour ne plus jamais traiter avec elle. Dites-moi quand il n'a jamais redonné du souffle aux luthériens, aux wesleyens, aux méthodistes, aux pentecôtistes. Jamais! L'organisation est restée là, à se corrompre et à pourrir. Dieu a pris des individus. Il a essayé de se montrer aux gens, de leur montrer le chemin vers la patrie. Et alors, ces individus, tellement faibles et tellement efféminés, avec leur diplôme, et qu'ils ont organisé une autre organisation, ce qui a donné un fils de l'enfer deux fois plus qu'au départ. Mais quelque part, assurément, Jéhovah a un homme sur lequel il peut mettre la main. Il ne fera aucun compromis avec ces organisations impies qui ramènera les gens au rocher Jésus-Christ, qui les ramènera à la Pentecôte originelle et au Saint-Esprit originel, avec les signes originels et les prodiges originels. Assurément, il y en a un qui ne va pas céder sous le poids d'aucune persécution, qui ne va pas abandonner, démissionner, flancher et rien d'autre, qui tiendra ferme. Dieu ne bénit jamais Israël tant qu'elle n'est pas dans sa patrie. Dieu ne vous bénira jamais comme méthodiste, baptiste, presbytérien, catholique ou comme pèlerin de la sainteté, nazaréen, l'Église de Christ ou d'une organisation pentecôtiste. Il ne vous bénira jamais sur ces voies-là. Revenez à la patrie, au commencement. Revenez à l'expérience de la Pentecôte, telle qu'elle s'est produite le jour de la Pentecôte, quand la puissance du Dieu vivant a changé ces milliers de gens et a enflammé leur cœur du feu de Dieu qui montrait des signes authentiques, pas des imitations, pas un genre de télépathie, pas de la moquerie ou une vraie foire comme ça devient ici en Amérique. Qui a la plus grande tente, qui a la plus grande foule? Qu'est-ce que ça peut bien faire pour Dieu? Dieu veut que c'est des gens au cœur honnête, pas des grandes foules. Ici, on se trouve au milieu d'une vraie foire d'empoigne. Quelle honte! Essayer d'ajouter un millier de membres à notre organisation. C'est une disgrâce. Il veut que nous revenions à la vérité, que nous revenions à l'esprit, que nous revenions à la lumière juste, que nous revenions au chemin en Christ. De retour à la vérité. Comment pourra-t-il nous bénir sur la voie que nous suivons? Il ne le fera pas. Il n'a jamais béni Israël tant qu'ils ne se sont pas retournés au pays promis. Et quand ils sont retournés au pays promis, des signes et des prodiges ont commencé à se produire. Il leur a envoyé au milieu d'eux un homme du nom de Moïse. Et est-ce que Moïse s'est présenté là avec une théologie raffinée? Est-ce qu'il s'est présenté avec un diplôme de licencié en lettres? Est-ce qu'il s'est présenté avec un doctorat en droit ou en philosophie? Il est descendu là avec la puissance de Jéhovah. Et avec un message. Retournez de ce pays à la patrie. Retournez, ô dispersés, vers les vôtres. Amen. Voilà bientôt 2000 ans que les Juifs sont hors de leur patrie, dispersés aux quatre vents de la terre. Ce message, nous pourrions le faire durer des semaines si nous devions entrer dans les détails. Nous pourrions remonter l'histoire d'Israël et montrer qu'elle a été dispersée par l'Empire romain après avoir rejeté le Messie, qu'elle a été dispersée dans toutes les nations qu'il y a sous le ciel. Nous pourrions remonter à Jacob, Israël, dans Genèse 44 et 45, et montrer comment, à l'époque, il a béni les patriarches et leur a dit exactement quelle serait leur situation dans les derniers jours. Et je peux vous montrer exactement chaque nation d'Israël, chaque tribu d'Israël, placée dans les nations exactement là où il avait été dit qu'elle serait. Et nous y voilà aujourd'hui. Les Juifs que nous connaissons, ce ne sont pas les vrais Juifs. Les vrais Juifs, ce sont ces Juifs orthodoxes qui ne se sont pas souillés avec les choses du monde,
qui ne sont pas sortis pour se joindre à d'autres églises. Ce sont eux qui retournent là-bas, qui vivent de fromage et de pain à flanc de colline. Ils n'ont pas le droit d'entrer dans la vieille ville. Ils ont dû se construire une ville de ce côté-ci, dans un no man's land, avec des mitraillettes pointées des deux côtés. Mais elle a commencé à pousser ses bourgeons. Amen et amen. Le temps est proche. Ismaël et Isaac sont encore là à se disputer le terrain, mais il appartient à Israël. S'il vous arrive d'aller dans la Nouvelle Jérusalem, on ne vous laissera pas passer dans la Vieille Jérusalem. Vous devrez d'abord aller là-bas pour qu'ils vous expliquent tout ça. Les Arabes, et après, ils vous font passer de l'autre côté. Ça, ce sont les enfants d'Ismaël. Mais attendez, il viendra un temps où les enfants de Dieu la reprendront. C'est exact. Jérusalem sera reconstruite. Le sacrifice perpétuel sera rétabli. Et l'Antichrist fera une alliance pour les 7 dernières semaines. Et au milieu, il rompra cette alliance. Il la fera tous passer au catholicisme. C'est comme ça que l'abomination se répandra partout et alors la fin viendra. 70 semaines. Oui, il y a bientôt 2000 ans qu'ils sont loin. Ils se sont fait chasser. Ces gens-là sont comme du temps de Pharaon, quand son cœur a été endurci. Il a dû endurcir le cœur d'Hitler. Des millions d'entre eux sont morts. Voyez cet Eichmann qui est coupable d'avoir tué 6 millions de Juifs. 6 millions d'âmes, d'êtres humains, des bébés, des enfants, des adultes, tous mis à mort. Eichmann, un seul homme. Regardez la Russie. Comment on les a chassés de là? Partout où ils ont été chassés, ils ont été une nation méprisée. Mais parce qu'ils aiment leur argent, ils sont revenus. Mais il y a une petite minorité qui, elle, retourne en Palestine. Amen, frère. Quand vous la voyez commencer à retourner dans sa patrie, maintenant il y en a assez là-bas pour en faire à peu près 144 000. Et qu'est-ce qui arrive? Ils vont reconnaître leur Joseph. Ne vous en faites pas. Oui, monsieur. Et ils sont tous là à attendre que ça arrive. Et à l'heure même, les nations les ont reconnus comme nations l'année dernière. Quand ça se produira, la fin se rapproche. Ce sera le départ de l'Église, des nations. Alors, d'une minute à l'autre, Dieu pourrait dire, Israël est mon peuple. À ce moment-là, ce sera terminé pour les nations. Ils fouleront aux pieds, a dit Jésus dans Matthieu 24. L'abomination qui cause la désolation, ils fouleront aux pieds les murailles de Jérusalem jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. Une fois celle-ci terminée, alors les Juifs retourneront dans Jérusalem pour rétablir le temple et le culte dans le temple. Nous verrons tout ça dans les messages à venir, les 70 semaines, les 6 buts de cela. Maintenant, je vais lire avant de terminer, parce qu'ensuite, ce sera à peu près le moment de rentrer chez nous pour revenir ce soir à 7 heures. Tout d'abord, si vous voulez le noter, pour faire cesser les transgressions, Daniel, chapitre 9, verset 24, pour faire cesser les transgressions, 1. Pour mettre fin au péché, 2. Pour faire réconciliation pour l'iniquité, 3. Pour ramener la justice éternelle, 4. Pour sceller la vision et la prophétie, 5. Pour oindre le Saint des Saints, 6. C'est ce que nous verrons ce soir. Dieu qui fait s'accomplir. Donc je vais reprendre pour que vous saisissiez. Premièrement, faire cesser les transgressions. Deuxièmement, mettre fin au péché. Troisièmement, faire réconciliation pour l'iniquité. Quatrièmement, amener la justice éternelle. Cinquièmement, sceller la vision et la prophétie. Six, oindre le Saint des Saints. Maintenant, je vais vous lire dans la Bible. C'est au verset 24. 7 semaines ont été déterminées sur ton peuple, les Juifs, et sur ta cité sainte, Israël, les Juifs, Jérusalem. Pour faire cesser les transgressions, 1. Pour faire mettre fin au péché, 2. Pour expier l'iniquité, 3. Pour amener la justice éternelle, 4. Pour sceller la vision, 5. La vision et la prophétie. Et pour oindre le Saint des Saints, 6. Voilà
exactement ce qu'il est venu lui annoncer, ce qui arriverait, après quoi ce serait la fin. Maintenant, ce soir, nous allons trouver ce que sont ces choses et voir combien nous en sommes proches. Et dimanche prochain, nous allons voir ces repères dans le temps et déterminer exactement où nous en sommes. Je l'aime. Israël, qui retourne dans sa patrie. Israël, permettez-moi juste de dire ceci maintenant. Je pense que ce n'est plus enregistré. Permettez-moi de dire ceci. À l'heure même où Israël est devenu une nation, la raison pour laquelle j'ai toujours cru, je le dis devant mon auditoire ici, qu'il y avait quelque chose, que j'allais avoir un rôle à jouer avant de mourir pour ramener Israël au Seigneur. Parce que à l'heure même, d'après la charte panaméricaine, où Israël a été déclaré une nation pour la première fois depuis 2000 ans, depuis la dispersion, c'est à cette heure même exactement que l'ange du Seigneur m'a rencontré là-bas avec l'Évangile. Exactement en même temps. Le 7 mai 1946. Et aussi, une autre chose qui me fait savoir cela, c'est qu'il ramène le cœur des enfants au Père et le cœur des pères aux enfants. Le message. Maintenant, remarquez, Malachi 4. Autre chose, quand mon fils Billy, mon fils et frère Ern Baxter, nous étions en route pour Palestine, après avoir rencontré les Juifs chez frère Argenbright et qu'ils m'ont vu là à la réunion, c'est Lévi Petrus qui avait envoyé les Bibles là-bas. Il a dit, ces Juifs sont venus lui dire, si vous convoquez un groupe des chefs d'Israël, je ne parle pas de ces nouveaux rabbins avec tout leur cérémonial, mais si vous rassemblez les vrais Juifs, les vrais chefs israélites, nous avons lu le Nouveau Testament et nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Comme la femme en Samarie, nous savons que Moïse a dit que notre Messie serait un prophète. Et quand vous pourrez leur dire et leur montrer par les Écritures que c'est ce que nous allons voir dans le message ce soir, qu'ils devaient être aveuglés et que leur cœur devait être retranché pour permettre à la période des nations de venir, pour qu'on ait un temps d'expiation pour les nations, et que leurs cœurs ont été endurcis exactement comme au temps de Joseph, et ainsi de suite. Et qu'ensuite, vous faites venir ces Juifs quelque part, et que vous appelez ces hommes-là dans l'auditoire, comme vous le faites ici avec les gens des nations, par cette inspiration de l'Esprit. En effet, si ce Jésus, s'il est le Messie, et que vos paroles sont vraies, alors il n'est pas mort, il est vivant. Et s'il est vivant, il a promis d'être dans ses serviteurs, ses disciples. Et si nous pouvons le voir accomplir, le signe du prophète, alors nous croirons qu'il est le Messie. Quelle chose parfaite. Exactement. Qu'est-ce que ça ferait? Alors une nation naîtrait en un jour. Parmi les leaders, chacun d'entre eux dirait, nous le savons, et une fois que ce rabbin a dit ça, c'est réglé. Une nation naîtrait en un jour. Israël naîtrait en un jour. J'étais en route pour y aller. J'étais au Caire, en Égypte, avec le ticket dans la main. 15 ou 20 minutes avant l'appel. Ils allaient faire l'appel. Je me suis approché pour regarder un petit objet en ébène, un petit éléphant d'ébène avec des défenses en ivoire. J'allais l'envoyer à un médecin de mes amis, le docteur Samader, comme presse-papier. Je regardais ça et quelque chose m'a dit, ce n'est pas encore l'heure. Reste en dehors de la Palestine. Je pensais, c'est juste moi qui ai pensé ça, et j'ai continué mon chemin. Ce n'est pas l'heure. Je me suis retourné derrière le hangar, j'ai levé la tête vers Dieu, j'ai dit, « Oh Dieu, est-ce que c'est toi qui me parlais ?» Il a dit, « Ce n'est pas l'heure, reste en dehors de la Palestine. Ce n'est pas le moment maintenant. » Alors j'ai pris mon billet,
Je l'ai échangé et je suis allé à Rome et revenir par Lisbonne au Portugal et de la rentrer aux États-Unis. Ce n'était pas encore le temps. L'iniquité des nations, on n'est pas encore arrivé à son comble, jusqu'au bord de la coupe, mais un jour, ça viendra. Et Dieu enverra quelqu'un là-bas, un prophète. Et il leur prouvera. J'espère que Dieu va le susciter sans tarder, qui qu'il soit, qu'il va le susciter rapidement. Je crois que ça doit venir. C'est pour ça que nous faisons cette étude. Parce que nous en sommes tellement proches. Et souvenez-vous, à l'instant même où les Juifs reçoivent Christ, l'Église des nations est partie. Alors les nations voient les fléaux être déversés sur eux, la tribulation, et dire que des hommes, d'éminents docteurs, enseignent, et avec la Bible devant eux, qu'ils déclarent que l'Église passera par la période de tribulation. Alors qu'il n'y a pas un seul passage dans la Bible qui le dit. Ils n'ont rien sur quoi s'appuyer. Il n'y a pas longtemps, un homme a dit, Sir MacPherson enseignait que l'Église allait passer par la tribulation parce que nous serons des lumières qui brilleront pendant cette période-là. Ce sera Israël à ce moment-là, pas les nations. Ceux des nations sont partis, l'Église. Eux n'ont pas du tout à passer par la tribulation. Le dragon fit jaillir de l'eau de sa bouche, chapitre 17, et il fit la guerre au reste, les vierges endormies. La vraie Église, elle est partie, elle est déjà sous Pétenos. Pour cet espace de temps, pour le souper des noces, la dernière semaine. Et c'est là que la tribulation prend pied, avec les locustes et les persécutions qui s'élèvent contre les Églises, les choses comme ça. Et puis à la fin, au chapitre 19, la voilà qui arrive avec son époux. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, son vêtement teint de sang et l'armée céleste qui l'accompagne sur des chevaux blancs. C'est là qu'elle arrive pour prendre sa place pour le millénium. Amen. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Magnifiez son nom. Magnifiez le nom du Seigneur. Comment le faire? Rendez-le magnifié dans votre vie. Vivez une vie telle qu'on puisse dire, voilà un serviteur de Christ. C'est comme ça que vous magnifiez le nom. Voyons un petit peu. Oh, ne l'aimez-vous pas? Oh là là. Dans une crèche il y a longtemps, et je sais que c'est vrai, un enfant naquit pour sauver les hommes de leurs péchés. Jean le vit sur le rivage, un agneau pour tous les âges. Cet agneau avec les sept sceaux, le seul dans le ciel et sur la terre qui a pu prendre le livre. Dans une crèche il y a longtemps. Et je sais que c'est ainsi. Un enfant naquit pour sauver les hommes de leurs péchés. Jean le vit sur le rivage, l'agneau pour tous les âges. Blessed be the name.
J'aime adorer, pas vous. Nous ne venons pas à l'église rien que pour entendre un sermon, ça va avec ça. Mais nous venons à l'église pour adorer. Adorer en esprit et en vérité. Vous avez entendu la vérité, c'est la parole. Maintenant, adorer, c'est lui exprimer vos sentiments. Oh, j'aime l'homme de Galilée. Donnez-nous la note pour ça. Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. Oh, j'aime l'homme de Galilée. For he's done so very much for me. Car il a tant fait pour moi. He's forgiven all my sins. Il a pardonné tous mes péchés. Holy Ghost within. Il a placé le Saint-Esprit à l'intérieur. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Un jour dans le temple, le publicain alla prier. Il a crié, « Oh Seigneur, aie pitié de moi !» Il lui fut pardonné de tout péché. Une paix s'installa à l'intérieur. Il a dit, « Venez voir cet homme de Galilée. » From Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love, love that man of Galilee. The lame was made to walk. Le paralytique a marché. Le muet a parlé. Sur la mer, la parole fut prononcée avec amour. L'aveugle reçut la vue. Je sais que ce ne pouvait être que la puissance de cet homme de Galilée. From Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed that Holy Ghost within. Oh, I love, love that man from Galilee. Listen. Écoutez bien ici. The woman at the well. À la femme au puits. He all her sins Il lui a dit tous ses péchés. How five husbands she had at Il lui a dit time. Qu'elle avait eu 5 maris. She was forgiven of every sin. Elle fut pardonnée de tout péché. And the deep peace came with her. Elle reçut la paix profonde. Then she cried, Come see that Alors elle cria, venez voir cet homme de Galilée. Oh, I love that man from Galilee. From Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love, love that man from Galilee. I love him, don't you? Oh, je l'aime de tout mon cœur. N'est-il pas merveilleux? Oh, wonderful, wonderful. Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the Mighty God is he. Oh, saving me, leading me from all. Courbons la tête maintenant. J'étais perdu. Maintenant, je suis sauvé. Libre de la condamnation. Jésus donne la liberté. Et le plein salut. Il me sauve. Il me garde. Du péché et de la honte. Oh,
Merveilleux est mon Sauveur. Louange à son nom. Oh, pensez-y, j'étais perdu. Maintenant je suis sauvé, libre de toute condamnation. Jésus donne la liberté et un plein salut. Il me sauve. Qu'est-ce qu'il a fait? Il me garde. Loin de tout péché. Merveilleux est mon Rédempteur. Louange à son nom. Tous ensemble maintenant. Jamais. Je ne l'abandonnerai jamais. Parce qu'il m'a aimé le premier. L'aimez-vous? Alors vous devez vous aimer les uns les autres. En effet, si vous ne pouvez pas aimer ceux que vous pouvez voir, comment pouvez-vous l'aimer, lui, que vous n'avez pas vu? Alors, serrons-nous la main les uns les autres. Jamais. Parce qu'il m'a aimé le premier. Pensez seulement, il nous a fait connaître cette grande révélation. Nous l'aimons, n'est-ce pas? N'est-il pas merveilleux? Combien nous sommes reconnaissants pour notre Seigneur Jésus. Il ne nous abandonnera jamais. Voici, je suis avec vous tous les jours. Est-ce que ça vous plaît les 70 semaines de Daniel? Oh, nous l'aimons, n'est-ce pas? Ma foi regarde à toi.
toi, agneau du calvaire. Adorez-le simplement dans votre cœur. Écoute ma prière. Enlève tous mes péchés. Laisse-moi dès ce jour être entièrement à toi. Alors que je marche dans ce sombre labyrinthe, entouré de malheurs, oh, sois mon guide. Guide-moi jusqu'au bout, Seigneur. Disperse ces ténèbres. Viens essuyer mes larmes. Ne me laisse jamais m'égarer loin de toi. Donne à mon pauvre cœur un nouveau zèle. Disperse ces ténèbres. Viens essuyer mes larmes. Oh, laisse-moi, depuis ce jour, être entièrement à toi. Oh, Jésus, nous voyons que nous arrivons près de quelque chose. Le prophète Ésaïe en a parlé. Jérémie en a parlé. Daniel a regardé et il a vu ce qu'ils avaient dit. Ça a remué son cœur et il a tourné sa face vers le ciel. Il a jeûné. Il a pris le sac et la cendre. Il voulait entendre pour pouvoir avertir les gens. Seigneur, nous aussi, nous voyons par les livres, par ton livre, le livre d'Ésaïe, le livre de Jérémie, le livre de Jacques, de Jean, de Luc, de Marc, de Matthieu, le livre de l'Apocalypse, par tous tes livres que nous sommes près de la fin. Et nous avons tourné notre face vers le ciel dans la prière et les supplications pour voir en quel temps nous vivons, Seigneur. Et nous voyons le jour commencer à poindre. Alors, Seigneur, nous venons à toi. Notre foi regarde à toi en ce moment. Nous mettons de côté tout fardeau, tout péché, toute petite incrédulité qui nous enveloppe si facilement. Et nous courons maintenant vers le but de la vocation céleste, car nous savons que notre temps est limité. Bénis les gens ici, Seigneur. Ils t'aiment, ils sont à toi. Ils sont sortis, c'est toi qui donnes la révélation. Nous te prions de nous accorder ces choses alors que nous nous attendons à toi. Donne-nous un bon après-midi d'études, Seigneur. Donne-nous de la compréhension. Ramène-nous frais et dispos ce soir, Seigneur. Oins-moi cet après-midi. Alors que j'étudierai, Seigneur, les six raisons de la visite de Gabriel. Si Gabriel est venu faire une visite et qu'il a donné six sens à cela, Seigneur, nous devons savoir ce qu'il en est.
Nous étudions les livres et nous savons que nous sommes proches. C'est pourquoi nous te prions de nous le révéler ce soir. Dimanche prochain, Seigneur, ô Dieu, situe ces jours, mets-les à leur place. Je ne sais pas comment le faire, mais toi, tu peux nous conduire tout droit au temps juste. Accorde-le, Père. Nous comptons sur toi. Nous nous